La politique est pour servir la population et non pour se servir. Et également non pour servir sa famille aussi. Alors, fidèles téléspectateurs de Congo et les télévisions, nous sommes en plein campagne, dans la fièvre de la campagne électorale. Et aussi, il y a des candidats qui viennent vers vous, à la députation, tout comme à la présidence. Des gens qui viennent vers vous pour vous convaincre de les voter. Mais il faudrait voter utile, hein. Voterez qui prendra soin de ce peuple. Est-ce qu'avec toutes les promesses déjà entendues, nous amènera où exactement? C'est la question que l'on doit normalement se poser chacun de nous. Il y a tel député que vous avez déjà voté, mais qu'est-ce qu'il a déjà apporté? Qu'est-ce qui vous a déjà apporté ces députés-là? Posez-vous cette question, posez-vous des bonnes questions pour aller voter. Nous invitons tout le monde à aller voter, c'est un devoir constitutionnel, c'est un droit. Allez-y voter le 20 décembre. Alors sur ces plateaux, M. Ernest Mouilou, qui est cadre de l'ECIDE, avec lui nous allons discuter autour de cette campagne électorale, surtout de leurs candidats. On va également parler de la République démocratique du Congo, pourquoi ne pas parler de l'insécurité qui s'est vue aujourd'hui à l'est du pays. Bonjour et bienvenue M. Ernest. Bonjour Mme Alain, bonjour à tous les parents. Bonjour à la cadre Nouraï, et la présidente Elie Martin, qui espère que... Je m'en rends à l'est de la République et puis moi je m'en rends à l'est. Je demande par la même occasion, on va réserver un accueil chaleureux, la candidate numéro 21, champion d'Abissou depuis le temps. Ben voilà, alors il faut quand même le dire, tous en espace Moko, où ils allaient quitter au Kobino Montebomoni. Nous sommes à Faden House, là où exactement vit les candidats numéro 21. Vous avez vu, hein, on lui a même. On lui a même donné des policiers justement pour l'accompagner pendant ces processus de campagne électorale. Ils seront avec lui, hein. Mais c'est à lui, hein, parce que vous avez vu qu'en 2018, il en a refusé. Mais est-ce que cette fois-ci, par au bout, il y en a épais, sous le policier, ou bah, au service, naïe. Voilà, en tout cas, il y a Mourunda Rouye Bayango. Monsieur Ernest Mouilou, Ezali candidat numéro 21, Lelo, déjà, quand même, il faut le dire, a quitté Kinshasa pour na Bouta. Alors les canaux Isiro, alors les canaux Goma, Isangani, Bukavu, toutes les provinces de l'Est, tout ça dans une dizaine de jours, si c'est la partie Est, et puis on verra de l'autre côté, centre, nord, ouest. Mais justement, il y a une question, on a toujours senti binoté batoua ici, débandekoya, la mouka, on ne vous sent pas sur le terrain, na, surtout na Kinshasa, où il s'est là qu'il fallait qu'il normalement, vous tiapé ma kéné, les makas. Non, le problème est ali y a ni affiche, tout le monde y a affiche, il y a candidat numéro 21, il n'y a rien qui surquille. Non, nous avons commencé à logistique et au Landa, parce qu'on a lancé la campagne. La logistique suit, et puis il y a quelques réglages qu'il fallait faire, et puis on est dans les bons. Dans les jours à venir, Bogomo, on a été. Nous sommes déjà sur le terrain, Bogomo, on a peur au besoin de poser Bogomo. Mais d'accord. Le vrai problème, ce n'est pas. Il y a pour qu'on affiche par-ci, par-là, tout ça. Le vrai problème, c'est de donner un message. Mais on a visibilité, petit peu, visibilité. Nous ne refusons pas. Mais le président Martin Fayulu est dans le cœur des Congolais. Pour les Zara 2018. Nous, Zara, la maman, 2018, est-ce qu'il est vraiment porté jusqu'aujourd'hui dans le cœur des Congolais? A porté le président Martin Fayulu par rapport à la valeur à incarner. Parce que le peuple, au-delà de tout, il y a 10 000 francs qu'on peut essayer pour obtenir sa star. Je ne sais pas ce qui est en campagne, ce qui à l'américaine, on mêle, mais au-delà de tout, le peuple attend aussi à mon amouto, à Zali, Koulika, Lobby, qu'on dirigeait, apporter la valeur. Parce qu'on ne construit qu'avec des valeurs. D'abord, c'est la campagne à l'américaine, on a apporté la valeur. Non, moi, je ne trouve pas de valeur dans ma candidat et Bélé. On construit avec des valeurs positives, on détruit avec les antivaleurs, donc les valeurs négatives. Alors, nous souhaitons voir ces valeurs positives portées, incarnées, prônées par des candidats au lieu à quoi il y a des fiches, des discours, des discours mensongers, des propos moraux au salaté. Ah bon? Ah, je vous dis sincèrement, nous, on n'est pas dans cette logique-là. Nous avons. Donc, team de côté, Goma. Yé a qu'on s'installer na maison d'état à Rosananda pour na yé moko et en plus ça qu'on offrir je crois 5 milliards hein, justement pour na Koluka qu'on est-ce qu'on faire installer définitivement paix la partie à est du pays. Bon, j'ose croire que là
vous attaquez directement la question sécuritaire. La question sécuritaire est singi mon conjambo ka kende na est dans la ouest. Non, parce qu'aujourd'hui l'insécurité c'est sur toute l'étendue de la République démocratique. Donc ce qu'il faut circonscrire question à est sur le plan sécuritaire, j'accepte. Mais l'insécurité aujourd'hui dérange tout Congolais na parti nos yambo. Ouais, donc vous devez avoir une vision nationale, globale, il y a question sécuritaire et non parler seulement de l'est. Aller s'installer, oui, mais ça ne finit pas tout. Il faut dire comment mettre fin pour toujours la guerre à l'Est. On est installé pour la paix. Et puis la guerre continue, l'insécurité continue, les gens continuent à mourir. Donc, les vrais... Je rappelle la création d'un fonds, c'est plutôt création d'un fonds spécial de 5 milliards de dollars pour le Nord Kivu et Ituri. Ça, c'est promis par le président de l'ensemble Moïse Katumbi, numéro 3. Nous, notre problème, nous disons ceci. Une fois le président élu Martin Fayulu au pouvoir, nous allons réformer l'armée. On va donner des moyens conséquents à l'armée, au service de sécurité, pour mettre fin à la question sécuritaire sur toute l'étendue de la République. Nous allons réformer l'armée. Nous allons bien pendant combien de temps ça va prendre combien de temps pour réformer l'armée? La réforme est intemporelle. Parce que jusqu'à avoir une armée puissante, dissuasive, vous ne prendrez pas 5 ans, mais on doit commencer quelque part. Voilà ce que nous disons. Donc, on ne vient pas avec un discours mensonger. Je vais m'installer. Mais pendant ces temps, Batina Est va continuer qu'au coup, Fabien, vous voulez former l'armée pendant autant d'années. Non. Il n'y a pas seulement l'aspect militaire qu'on doit mettre sur le terrain. Il y a aussi l'aspect diplomatique. Et ceux qui sont là aujourd'hui ont échoué sur ces points-là. C'est pourquoi nos frères continuent à mourir. Oh. Mais n'est-ce pas que vous faites la même chose que M. Félix Antoine Tshisekedi a fait aussi? On ne va pas mener une diplomatie de tâtonnement. Voyez, on mettra le boucher double, diplomatique, militaire. On met ça sur le terrain. Mais nous devons réformer l'armée parce qu'on ne sait pas comprendre. Vous donnez à un militaire congolais 150 dollars et vous allez faire appel à la militaire. Il y a EAC, il y a coalition, mutualisation avec les forces armées burundaises, ougandaises. Vous leur donnez 900 000 dollars le mois. Alors les nôtres sont découragés. Donc ça part dans la situation d'Ingana. Nous allons plus payer les militaires. Les équipés comme il se doit. Nous avons une armée, c'est seulement la motivation et les mauvais équipements. Oh, bazar, il y a un mauvais équipement. Bazar, un mauvais équipement. Je vous dis. Il faut réadapter aussi l'équipement. Voilà, avec combien de montants il y a budget, Nabino? C'est 20 milliards, je crois. Nous avons un budget de 193. Nous allons travailler avec un budget de 38 milliards. 38 milliards de dollars, ok. Donc, dans 5 ans, nous envisageons avoir un budget de 190 milliards. Et nous mettrons 20%, il y a Bidjana, caca la question sécuritaire. Et là, on ne va pas se mal est. On ne va pas se mal est. Il ne faut pas dire aux Congolais que c'est mal est qui dérange. Non. On ne va pas se mal est. Toi, voilà, je crois que c'est parce que vous êtes en dehors du pouvoir que vous dites tout ça. Mais une fois dedans, est-ce que vraiment cela va se faire comme vous le dites? Vous pouvez revenir 5 ans, 10 ans en arrière. Au moment où on a été tout ce que le président Martin Fayulu a l'oba, là, on a dit ça, dans la mouka, on a décidé. Si on n'est pas capable de faire quelque chose, on ne le dira pas. Mais justement, il y a une autre question par rapport au bloc Bandeko, Bakindeko, Sala, en Afrique du Sud, au Batinde, délégué Nabango. Le choix d'autres candidats, on a autant quand même Kombo et Zaline Ndeko. Cette Kikuni, on a autant Kombo et Zaline Ndeko. Comment il s'appelle encore Papa Nabiso, il y a MLP, comment il s'appelle Franck Diongo. Total en déco Matata Pono, les lobes à s'allier derrière Moïse Katumbi. Mais Bino, Botika Linasima. Et les lobes, c'est encore une autre question, hein, pour dire que un autre bloc plutôt, où déjà, Kangami Pelissou Tozalina, Ndeko Théodore Ngoï, Ndeko Mukwege, Ndeko Baende, Ndeko Tanzoloni, justement Bangonio Sotukuna. Oh, le lobe, vous portez plainte na CENI, vous portez plainte na Ndeko Kaza Peter, comme le ministre à l'intérieur, Peter Kazadi. Mais pourquoi vous, par Martin Fayulu lancer déjà, maintenant surtout en 2018, vous portez quelque chose sur Yé, ou bien le candidat en Moïse Katumbi Zakilé na Simenae. Mais pourquoi pas Yé et Martin Fayulu à son tour à soutenir à ta candidat Moko pour que vous mettez l'élection au Nicolo, et vous renverser, ou bien tout vous changer, les alliés présidents. La présidente actuelle pour Bino Bozo pouvoir. Bon, à ma connaissance. Parce qu'apparemment, il y a quand même beaucoup de choses que vous déplorez. Oui, oui, madame. À ma connaissance, jusque-là, lorsqu'on parle, il y a question, il y a candidat qu'on met de l'opposition, nous, ça nous étonne parce que ça n'a jamais été traité.
Ça n'a jamais été traité. Ce qui s'est passé à l'Afrique, c'est de la tricherie pure et simple. De la tricherie. Oui. Le manque d'honnêteté de nos partenaires, s'il faut le dire, des autres candidats présents dans la République, ou autres terrain à Bakombo, à travers leurs délégués, voilà. Parce qu'on vous donne une invitation où on dit vous allez vous rencontrer en Afrique du Sud, on choisit les délégués des 5 candidats présents dans la République, et l'intitulé de l'invitation, vous allez dire comment renforcer la démocratie dans la période électorale. Mm-hmm. Alors, comment ceux qui vous ont invité, comment renforcer la démocratie, la période électorale, tout ça, non? Et n'a sorti à Bassi, on a un candidat commun. Vous trouvez ça normal? Premier élément. Deuxième élément, ce sont les délégués qui étaient à la culture, qui leur avaient donné mandat à ce candidat commun. Non, c'était un guet-apens politique, comme l'a dit le président Martin Paolo. Mais la preuve, on a dit que nous avons des cas sur le côté, parce que nous sommes retirés de signer qui nous a dit que nous mais vous avez suivi comment est-ce que Mukwege n'a cessé à Beneli. Beneli qui Moïbi en plein air. Vous avez suivi. Donc, moi, j'ose croire que si on veut diriger un pays comme le nôtre, on dit que l'antivaleur est comme si Mboka on a été aux alliés. Et Mouto a dit que la lobby présente un flic. À quoi on dira que c'est déjà l'antivaleur quand il est escroqué. Mais non, il y a eu qui m'a dit qu'il y a eu qui m'a dit qu'il y a eu qui c'est comme ça que notre frère Katumbi fonctionne. Oui, mais il y a eu qui m'a dit qu'il y a parce que Mukwege a remarqué que Moïse a bêtara vraiment, a bêtara. Farafara na o ezali Paul Kagame tout le bango pe. Je ne suis pas le porteur de Moïse ici ni de Mukwege. Mais moi je vous donne seulement l'éclairage que ce qui s'est passé en Afrique du Sud, ce n'était pas o ezali privé. Nabino pe bino pe failli pas le et bien o pe. Yango boy na eko salié na bango. Non, le président Martin Fayulu, la porte est ouverte pour monaki batinos bande ko yawa. Na ba o ba ki oluka ko ko se blanchir en opposition ba ki yawa. Ils ont Ils ont eu à mal gérer dans le passé. Nous avons accepté, mais aujourd'hui, ça nous étonnerait, le lobby, ça va bosser à l'opposition. Vous voyez? Parce que si on prend notre frère Katumbi, personne n'oublie qu'il est cofondateur de l'Union Sacrée. Vous voyez? Donc, en quelque sorte, il partage aussi les bilans de l'Union Sacrée. Échec de l'Union Sacrée, il les partage aussi. Et dans son actif, il a un mort qui n'est pas enterré. On m'apprend aujourd'hui qu'on a autorisé peut-être la famille à enterrer. Il a deux de ses collègues et de ses camarades, il y a partis qui sont dans la prison. Ils ont actif naïe. Ma tata a géré. Vous connaissez comment c'est naïe, comme c'est la géré. Mais il y a des poni bakangi batoua là. Katumbi est cofondateur de l'Union Sacrée. Ma tata a géré, très bien. Et ma tata a dans ses propos. Il reconnaissait qu'Ayaki n'est pas il y a numéro un et opposition parce qu'il avait créé un parti de l'opposition. Ah, on a Katia Fadel. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il l'a changé? Il l'a soutenir sur Martin Fayulu, plutôt que soutenir Moïse Katumbi. Ils avaient des agendas cachés. Mais puisque tout le monde a rabbiné la presse qui accusait le président Martin Fayulu d'être égoïste, nous avons accepté tout le monde. Mais vous voyez, nous avons un constat pour nous. Mais nous, au-delà de tout, nous sommes prêts à accepter d'allier nos Aya. Mais les vrais alliés, il y a le président Martin Fayulu, c'est le peuple. Son vrai allié, c'est le peuple. Voilà, donc comme nous avons une alliance avec le peuple, ça nous suffit. On a mon yété, on a la même valeur, on a combat, on a la même direction, on a le président Martin Fayulu. Aïe, la porte est grandement ouverte. Alors, mais est-ce que probable alliance entre Denis Mukwege, Martin Fayulu, et puis les autres candidats là. Bon, juste quand nous sommes ensemble, nous parlons de question de démocratie, comment mutualiser aussi nos énergies, nos forces pour lutter contre la fraude, veiller à une élection, à la scrutin monco transparent, inclusif et apaisé. La question, il y a pas besoin d'exister au profit d'un candidat, de les alliés ensemble. On pourra toujours discuter. On est encore en pleine campagne, c'est pas encore la fin. Monsieur Martin Fayulu, le leur, quand Amana Denis Mukwege a eu pour toi traité Bango, je me rappelle encore du Moro. Oh non, le président Martin Fayulu n'a jamais traité Bakidi Moro. C'était une question d'un journaliste qui voulait faire comprendre au président que Makambo ya Mbongo, tout ça, na campagne, il y a un président répondait Kabina Mboka Oyo, ba voleur patenté, ba détourner à Mbongo chaque jour. Attends, comment moutouté? Ok. Attends, comment moutouté? Alors, Moutou a se sentir à sa voleur patenté, et ça y est, na conscience là. Mais nous, on a cité le nom de personne, nous devons du respect.
Nous appartenons à Bissot, nous sommes nés et on va respecter à Bissot, mais tout le temps, on va se sentir qu'on a 100 francs. Il y a Congolais dans la poche. Parce qu'on comprend ça, mais conscience, on va se constater. On est allé Bissot. On est allé Bissot, c'est aller de demander pardon à peuple, on va y baki, parce que là, qui m'a bé, on a la reine. Donc, c'est un prix Nobel de la paix. Bon, on n'a pas vu aussi la justice qu'on traquait un dossier moro quelconque, il y a détournement ou bien un nini. Donc, on ne sait pas les classer parmi bateau, il y a population. Donc voilà, nous sommes clairs dans notre langage. Nous sommes là, nous pensons que par de valeurs, par des éléments probants, le président Martin Fayulu mérite les lots. Il y a cause à l'Iboso, il y a opposition, avoir le soutien de tous les autres candidats et amener le peuple congolais à la victoire. Voilà. C'est faisable. C'est faisable. C'est vraiment faisable. Si seulement ceux-là aiment les Congos et les Congolais. Alors, plainte par rapport à plainte à Séni. Et puis, vous plainte moro contre les copies Peter Kazadi. Moi, je n'ai pas Peter Kazadi. Madame, vous savez, il y a un adage africain à l'Obaga. L'Iboké pour la Kayambi, c'est Mia Makambouké. Ok? Et le Bénin. Oye Mpola, c'est un bis. Moi, c'est un bis. Le Kangina Liboko Tumbi au 20 décembre. Après, Bambou, les Kopola. Mais il y a Makam, il faut la pâté. Ce que nous faisons aujourd'hui, nous avons porté plainte dans l'Onuska du Mazarosala parce qu'on ne sait pas être responsable politique. Leader, il y a le peuple congolais. Et tout le monde m'a bientôt dénoncé. Là, on serait traité de complice. Alors, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est quoi? Même si vous pensez qu'on n'obtiendrait pas gain de cause, parce qu'ils sont là, la justice est à leur guise, mais retenez que les abus de ce côté ici, il y a eu accusé de réception, nous gardons. Et même s'ils ne sont pas là, ils ont besoin de principes par rapport à la banque. Parce qu'il y a un décoca du maillot à ça comme ça là. Tisti le lot. Clarté n'affiché zalité. Affiché ma électeur, ma liste d'électeurs affiché. Alors, comment est-ce que ces électeurs prendront tout le temps pour vérifier si réellement dans ma liste, on va voter ici quand on a. Alors, nous ne savons pas, on ne comprend pas. On ne comprend pas l'idée derrière toutes ces manigances. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est quoi? Alors, le chaos qu'ils ont organisé va se réaliser. Et s'ils pensent que le peuple sera sur une table comme. Mais vous avez un cadre de concertation, mais cela ne se termine pas un cadre de concertation. Ce n'était pas un cadre de concertation. C'est pourquoi le président Martin Fayulu avait même profité de l'occasion pour recadrer le président Kadima. Le monsieur pensait être, je ne sais pas, la séance non pédagogique, expliqué. Quand on parle de concertation, vous devez appeler les parties prenantes de la pression électorale. Koyo Kabango. Parce que nous on pensait dans le cadre de concertation, là, Toyokana, la règle est à jeu. Et ça n'a pas pour la battre. Aujourd'hui, par exemple, M. Tshilombo utilise les moyens de l'État pour battre campagne, ce qui n'est pas sérieux. Il y a un battre, il y a un gouvernement, il y a aux affaires. Ce n'est pas sérieux. Azozwa, cortège, on dirait président de la République, il y a un mandat constitutionnel, alors qu'il est déjà. En pleine période de campagne. Mais il est juste jusqu'à preuve du contraire, il est toujours candidat, il est toujours président. Il expédie les affaires courantes. Il expédie les affaires courantes. Alors, il ne peut pas prendre la cortège Milaï. Mais oui, il doit bénéficier. Mais il doit même traitement, s'il vous plaît, madame. Il doit bénéficier, par exemple, nous prenons sur le plan sécuritaire, il doit bénéficier un même nombre. Il y a ma policier, 25. Mais on a un candidat présent avec le monsieur. Vous ne verrez plus JR la semaine. Ah, je vous dis, parce que. Madame, on est dans un pays où les gens n'ont pas l'habitude d'y arrêter le texte. Ok? En Madagascar, dans la période où le président en exercice, à quoi démissionner même? À quoi démissionner même? Donc vous devez être au même pied d'égalité, là, les autres candidats pour cela. Notre constitution l'est dit. Monseigneur. Madame. La lobby, loi organique des Indiens. Article, je crois, 72, hein, il le dit. Vous avez suivi même Ndegosa Malukonde. Il parle, il y a continuité de l'État. Mais écoutez, par exemple, les membres du gouvernement qui sont candidats
dans les différents postes, il fallait démissionner. À quoi servent maintenant les secrétaires généraux dans les ministères? C'est à eux de gérer période pour que la République puisse continuer à fonctionner. Mais tous ceux qui sont aux affaires, ils doivent démissionner. Parce que là, maintenant, ils seront tentés d'utiliser les moyens de l'État pour faire propre la campagne, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça, c'est ce qu'il dit la loi. Mais malheureusement, nos amis de l'Union sacrée qui n'ont pas de moralité, dans la logique, il y a qu'autant de molation. Parce qu'ils n'ont pas de moralité. Question de moralité chez eux, c'est de n'importe quoi. Ouais, ils n'ont pas de moralité. C'est pas ça le problème. Donc, plainte, il y a un moment où il bien de bloquer wana là où tu wana ba sali wana ba ti wana déposer pour revenir à la normale. Même si ils ont et si cela ne se fait pas Bosani par rapport il y a ba nombre d'électeurs au Sénat publié madame vous êtes toujours que les déjà l'élection le 20 décembre la limite de toutes les bêtises on yo kadima nande connaît tu le bazar au commerce le peuple congolais se prendra en charge retenez cela donc le 20 décembre kalaminti na maponami c'est une date au sein d'un calendrier et comment nous on attend ces élections, nous sommes préparés, nous sommes en campagne. Vous l'avez dit au début, il y a une mission, le président vient voyager, il est à l'est, il part pour l'est, il va battre campagne à l'est, il va expliquer aux Congolais ce que nous pensons, ce que nous proposons comme alternative par rapport au Yakao ou le Congo connaître. Il faut pouvoir parce que le monsieur chose quoi grave, il continue toujours à promettre. Mais nous proposons. Si mais il peut quand même promettre. J'ai l'impression que c'est tous les candidats maintenant au bino comme qu'on promet. Nous ne promettons pas. On ne promet pas. Nous disons ce que nous avons comme programme de gouvernement. Vous avez déjà dit quoi? Sur le plan sécuritaire, comment finir avec l'insécurité? Il y a une autre sécurité terrible pour les Congolais. La question de la faim, l'alimentation. Et le président a dit que nous allons décréter un état d'urgence sanitaire alimentaire. Il faut, avec 80% de la terre arable, quand on va souffrir dans la terre, nous, Congolais, devons importer les oranges. Vous trouvez ça normal? Tokozongi sa bilanga, agriculture. Toté kaka vient dans le passé, pourquoi ne pas le faire aujourd'hui? Toté kaka huile de palme dans le passé, pourquoi ne pas le faire aujourd'hui? Caoutchouc. Nani a évité mon kilomba été, la pinée était en bonheur mon kilomba, caoutchouc de route, et bien, parce que l'on a Congo. Toté kaka coton. Pour nani ni kozongi sa bilanga, la priorité était, la bon moto la biso. Tolé sa va Congolais, malam ou pétolé sa va ne commence sur l'Afrique. Pourquoi pas le faire? Vous voyez? Tu reçois la question, il y a santé. Tu reçois la question, il y a un robot au fêlé. Et on se limite là. Bon, il y a un robot au fêlé, couche, il y a bébé, il y a un tata, il y a un salaté. Et au même temps, on se fait la bilanga. Nous créons combien d'emplois pour les jeunes? Parce que bilanga, la machine est comme ça, mais tu fais la travail dans la machine. Il y a une partie aux machines est comme ça, parce que les alliés, l'agriculture mécanisée, mais ces machines aussi, tu ne vas pas manipuler. Donc, créer un emploi dans la bilanga. Les jeunes auront un emploi dans la société où tu as un peu de la retourne de la Kinshasa. Vous voyez, nous allons tenir compte aussi du Kambouya Kélas. Parce que les Congolais, l'homme est tout à fait. L'homme congolais est à refaire aujourd'hui. Bah, mais il y a une gratuité, il y a une gratuité. Non, non, c'est-à-dire, il ne faut pas faire du copier-coller. Vous faites du crime, Zalaka. Vous avez un mot à couverture sanitaire universelle des alliés. Mais tout n'a pas un tout n'a pas et basali ben expert en la matière, bah ça la candidat. Parce que on veut dire que non, les soins sont gratuits, infrastructures sanitaires égalité. Bah qui ici n'a pas centre de santé on a un hôpital on va appliquer gratuité égalité. Traitement ni bon réservé dans Munganga, l'infirmier au Bosengi était assez malade Mungoti. Toutes ces questions là vous ne les traitez pas. On est quand même quand on tombe au Kakaboye, on a évité. Si nos frères de l'Union ça te filme quoi, on va m'arrêter gratuit de d'ailleurs cantine bazana bazuva matin au sala ba bloc. Non, parce que dans l'application, c'est dans l'application à toutes ces mesures que vous sentez l'impréparation de nos frères. C'est dans l'application de ces mesures là que vous allez sentir que non, ils sont même pas préparés, ils sont plus dans les populismes que dans la réalité et rencontrer les aspirations de la population. Mais bino les jeunes à côté opposition, vous avez même pas soutenu entre bino.
Et vous pensez vraiment battre vous pensez vraiment battre Félix Tshisekedi? Madame, il n'y a pas de bandade. Les Congolais ont un champion qu'ils portent à leur cœur. C'est Martin Fayulu. Point barre, c'est le numéro 21. Congolais est bien. Bandade au tambour. C'est là que monitoring, c'est là que le numéro bandade retourne dans le Congolais. Le Viking, le Viking, le Roloca. Ah, monsieur, c'est là que le président d'équipe. Alors, quand vous parlez des gens qui se sont ralliés à Simaya Ndeko Nabisoana, il y a des noms qu'il ne faut pas citer. Parce que Mandiro Moussou, c'est le nom de Timoutabeti Winner. Abeti Winner, il a foutu 65 000 $ et a caution. Il a tiré 300 000. Donc, il est tombé à Winner. Alors, comme c'est parmi les sociétés Oyo Ndeko Kabila, Ndeko Naye Félix, il y a un candidat. Il y a d'autres qui oublient que la fonction présidentielle, il faut avoir de valeur. Pourquoi à côté de la candidature, quand vous êtes comme ça, vous winner? C'est pas sérieux. Et vous allez me citer des gens pareils, vous allez à se rallier, si ma kinga, n'y a rien à la bagne. Mais recommence en attaque de drainer full, hein. Nous tous le bas, là où ça plaisait à l'équipe, voilà. À drainer full. Ça veut dire qu'il n'y a pas ancrage dans les politiques des Alcolos. Madame, même dans la compétition, il y a des équipes favorites. Il y a aussi des équipes qui sont des donneurs de points. Alors, on a la terre moro sportif. Ok? Donc, moi j'ai un champion qui est le plus favori. Donc, les autres là, la minimiser dans mon douté. Mais sur le terrain, on sent pas Fayulu. Sur le terrain, on sent Félix Antoine Tshisekedi, on sent Moïse Katumbi. C'est comme si le match était quelqu'un entre Baromi Bali. Ce sont les malhonnêtes qui se battent. Alors, l'honnête homme là, a qui on se met la bangoté. Il y a quoi, il n'est pas passé à départager. Ah bon? Oui. Les deux là sont des malhonnêtes. Ah, je vous dis sincèrement. Je vous dis sincèrement, les Congolais savent. Les Congolais savent qui est qui. Qui est qui? On peut commencer à citer du 1er jusqu'au 26e sur la liste CENI. Les Congolais savent qui est qui. Et ils savent, en âme et conscience, qui est Martin Fayulu Madi. Mais les Congolais, le lobby, ils ont recommencé à zéroter parce qu'ils veulent consolider les acquis. Qui est qui? Non, c'est-à-dire quoi? Nous avons dit ceci. Nous allons amener des réformes. Nous allons amener des réformes parce qu'on n'a pas, des acquis positifs qu'on va conserver. Vous allez conserver les détournements. Vous allez conserver les assassinats. Vous allez conserver les arrestations arbitraires. Vous allez conserver les discours séparatistes et tribales. Ah non, sois en sérieux. Sois en sérieux, madame. Non, il n'y a rien à conserver avec notre frère. C'est un bilan qui outrage même le peuple. Un bilan honteux. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, l'État n'existe même pas. L'État n'existe plus. Ouais. Vous avez des ministères où on parle dialecte, il y a ministre. Oh. Ah, je vous dis, quand vous arrivez au ministère, là, vous sentez que je suis, par exemple, n'est-ce pas, c'est Yaka, n'est-ce pas, c'était là. Mais vous êtes dans le ministère. Alors que la langue de l'administration, la commune, c'est que c'est le français. Mais quand vous arrivez dans un ministère, comme le numéro 1, il est X. Donc, les autres, là, il y a X. Voilà. Et là, vous parlez de l'État. C'est un État moderne. Mais il y a d'autres candidats à l'opposition qui en sont dans Martin Fayulu d'être un peu dictateur. Est-ce que quelqu'un de pareil, on peut lui accorder la chance ou la confiance même de diriger ces pays? Non. Ils confondent dictature et autorité. Un chef doit être autoritaire, non? Un chef doit être autoritaire. Mais nous comprenons. Ce qu'eux parlent dictature, chez nous, c'est ce que nous appelons les valeurs positives. Ok? Ils sont habitués dans la légèreté. Vous voyez? Comprenez, moi, dans Oyo, dans la classe à Tanguité. Avec ça, l'interro, yo professeur, au moins, il y a d'autres choses. Il y a bien, on a. Vous avez un thème, ma bé. Vous avez un thème. Il va te taxer de tous les mots. Mais la faute, ça y est, t'es en quitté, c'est pas pour quitter. Vous voyez? C'est pas pour quitter. C'est ça le vrai problème. Le vrai problème est que ceux-là. Bon, vous savez, madame, il y a ceux-là, sans pour autant les offenser. Il y a ceux-là, on a vu là-bas, ça a été un croisement d'éducation, la bonne éducation. Ben non, moi. Oh, ils sont nombreux, même l'espace politique congolais. Ah. Ça a été un croisement d'éducation. Allez voir seulement, non? Vous comprenez qu'à ta croisement, mon éducation, il y a qui est à gauche, il y a qui est à droite. À ta recoute, il y a. À ta place, mon robot, à ta une fois la vie. Il y a une éducation, la bonne éducation. Alors comprenez que dans un abat, on va taxer le président Martin Fayulu de tous les mots. Et regardez tous les mots, on va taxer. Et ça n'est pas là-bas.
Et c'est pas là-bas. Parcourir toutes les républiques du Congo, demander à un seul Congolais, oh, avec 100 francs, ils ont fait des retours. Azate. Et toi qui Les candidats numéro 1 va commencer à dire azan la montagne que c'était pour aller. Vous savez que Nerotu le masala ka il ne savait pas le président Martin Fallou aya. Oui bien. Mais il ne sait que c'est pour le Congolais. Non. Mais Martin Fallou pas un Congolais, ce qui le laisse décider na ya ya na. Ça servit aux Congolais en quoi? Sinon c'était bah, c'est des bonnes idées, il faut venir rejoindre. Non. Dans l'esprit de Tshilombo, c'était comme FCC cache si va lier la tour avant qu'il fallait créer notre plateforme électorale et une politique sous de gouvernance pour bah le capé va nous sous la côte va lier. Et comme c'est pas dans notre logique, nous ne sommes pas partis. C'était ça leur idée. Mais le problème n'a rien à voir le bango au début là. Je ne vois pas les retours Lombo. Azan Lombo ngoté au Europe ça président Martin Fayulu. Oh. Azan ngoté. Je vous dis Azan ngoté. Oh. Je vous dis Azan ngoté parce que bon Azan ngoté il était ça va congolais au ya détourné. Je vous dis. Parce que le développement, mais pourquoi de quoi le intérêt du peuple, il faut associer les voleurs, les margoulins. À l'instant, il y a un voleur, Félix Antoine Tshisekedi, il y a un voleur. Non. Ce qui s'est passé à Genève, c'est parce que même ceux qui étaient là savaient que notre frère jouait un mauvais jeu. C'était déjà le dauphin de Kabila depuis longtemps. Mais Babi n'est pas un dauphin, Félix. Oh, ça c'est faux. Il y a un homme qui a mené campagne dans le silence. C'est le choix du peuple. Tous ceux qui sont, je dirais, Bazali, dérangés, là, ils sont mal à l'aise. Là. Parce qu'ils savent qu'ils ont des comptes à rendre à la population. Ils ont demandé votre sanction. Vous voyez, les vrais problèmes des autres, ils ont demandé votre sanction. C'est pourquoi ils sont derrière quasiment pour organiser la fraude. Ils se parlent la nuit. C'est la fausse opposition. Quand ils se parlent la nuit. Ils se parlent la nuit. L'autre camp, il se parle avec Kabila. Et dans l'air là-bas, maintenant, il montre des histoires contre le président Martin. Mais Félix, Kabila a Kabila. Parce que la déclaration en Mongolie. Oh, des boulonnais, je disais ça, la mara des Akalawana. Madame, il n'y a pas que la deuxième grossesse, il y a Kabila. J'ai vu ça bien en moitié. Ah, je vous dis. Mais regardez, tu sais quels les actes qu'il pose. C'est sur la ligne droite, sur le pas de Kabila. Aujourd'hui, il est Kabila était toujours candidat indépendant, non? Ah, qui n'a pas perdu. Deux ans, madame, ça qui n'a pas. Indépendant, aujourd'hui, c'est quel est qui? Candidat indépendant, il est sur les traces de son maître. Il est sur les traces de son maître Kabila. Kabila avait organisé la fraude au niveau ya CENI. C'est ce que nous vivons. À chair conscience. C'est ce que nous vivons. On a remis 10 dollars, 15 dollars au Congolais pour le stade de Martin. Kabila, c'est là qui a voté. Voilà. Donc, on ne sait pas. Les actes vont vous dire la personne en réalité. Zanani. Les actes qu'il pose, il est sur les traces de son maître Kabila. Est-ce que Martin Fayulu va yambaye bon? Madame, vous devez savoir. Martin Fayulu va yambaye bon. Mais la foule, voilà, vous avez suivi. Et c'est là qu'il réclamait. Partout ce qui est passé, il réclame Ram. Parce qu'il est à gérer. Lui, il oublie que Falaise a un devoir et a redevabilité. La peuple y est. Dans 5 ans, il y a sali. Lui vient maintenant croyant que le peuple ici a beau sali, nous sali de qui? Ah, mais dans le cours, ça va aussi. Non. Et par contre, tout n'est rare, mais ça va plus. 100 jours, ça va plus. On a hié sur son équipe de campagne. Mais il y a, parce qu'ils savent qu'ils détournent.
Côté Moussoubarabi, ABC a libéré collaborateur, nani, collaborateur, il y a partenaire dans Katumbi. Ce sont les images, les propos que la carte a publié. Le peuple réclame. Le peuple vient demander des comptes. Clairement, le peuple vient demander des comptes. Ils ne se sont pas retrouvés. Ils mais ils vous ont dit quoi, ce peuple-là, quand ils sont arrivés? Ils vous ont dit quoi? Il y a seulement maintenant. Mais Moïse Katumbi a tout le réclamé. Alors, comment expliquer ça au Congolais? Le Congolais veut des explications par rapport à tout ça. Mais chez nous, on a des comptes à rendre à personne. Mais le peuple congolais est maintenant redevable, la présidente Martin Fayulu, par rapport à sa constance. Cinq ans. Madame, vous ne devez pas oublier que lorsque le président Katumbi combattait Kabila, au moment où on toquait marche avec le président Fayulu, gaz lacrymogène, qui était le premier ministre? C'était ma tata avec Kabila. Ah, je vous dis. Nous devons être sincères. Qui était le premier? C'était ma tata. Les entreprises, il y a présent Martin Fayulu. 3 ans durant Bakangango. Qui était le premier ministre? Ma tata. Il faut avoir un cœur. Ma tata dans l'opposition et on les reçoit ici. Il faut avoir un cœur. C'est la politique. Il y a ceux-là, qui refusent même de recevoir les autres et qui ont même fait des déclarations en public avec Mouninga même Jida. Mais il faut être seulement un chrétien convaincu et pratiquant comme le président Martin Fayulu pour accorder le pardon à Batouane et les recevoir ici. Il est dans la blanchisserie et il va se taper la poitrine aujourd'hui que nous avons été la numéro 1 opposition. On était obligé, là on ne se dira pas. Ma tête à pognon. On ne se dira pas. Imagine-toi cette qui connaît pays derrière. Je pensais que cette qui connaît à la côté n'a bien, mais cette qui connaît qui n'a pas. Bon, j'ai toujours fait confiance à la jeunesse congolaise, mais voilà, peine à décevoir. L'animal était dans l'âge d'abeille à winner. Oh. La logique, il y a que la candidate pour la République, oh, comme ça, on est winner. Non. Oh, après, nous sommes winner en Afrique. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas été en Afrique du Sud. Moi, je ne sais pas par quel mécanisme. Ils désistent pour soutenir Katumbi. Bon, ça, c'est leur problème. Mais intellectuellement, je n'ai pas compris ces mécanismes-là. Et quand l'intellect n'arrive pas à expliquer quelque chose, c'est clair. C'est Franck Diongo. Bon, le bon, Franck Diongo. Franck Diongo, c'est un peu Katumbi depuis longtemps. Mais Franck Diongo, pour Félix, c'est comme ça pour Katumbi. Mais vous, Franck Diongo, c'est un peu Katumbi depuis longtemps. Voilà, nous allons terminer cette émission. Juste un mot de la fin pour finir. Donc, le mot de la fin, c'est de demander à tous les Congolais, les moments venus. C'est le moment. Donc, ce hôtel affiche, moi, vous comprenez, c'est le moment. On ne va plus céder. C'est le moment. C'est le moment ou jamais. Et l'homme providentiel, l'homme de la situation, c'est bien le numéro 21, Martin Fayulu Madidi. Donc, aucun consigne, nous allons aux élections, nous allons veiller électoral, attendons de récupérer les résultats, nous allons tabulation populaire, parallèle, et bien sûr, candidat a eu autant, nous récupérons le pouvoir. Ça passe ou ça casse, donc. Bon, probable alliance, et vous allez entre Félix et Martin Fayulu. Nous ne parlons pas d'alliance ici, nous parlons de soutien. Vous venez soutenir la vision et le combat du président Martin Fayulu. Alliance n'est pas une. Mais nous disons les soutiens. Parce que vous avez une idée d'alliance, mais vous passez derrière le président Martin Fayulu. C'est lui qui incarne l'opposition. Point barre. Fayulu, vous avez derrière Félix Antoine Tshisekedi. En aucun cas, ça ne passera jamais. D'accord, cette émission est terminée, fidèles téléspectateurs. Abonnez-vous massivement. Si vous voulez avoir des informations vraies et vérifiables, abonnez-vous, likez, partagez. Likez, c'est j'aime. Hein. Juste, il y a l'icône j'aime qui est là. Aimez, partagez, laissez-nous un commentaire ou une question si vous voulez. Au revoir.